première poupée que j'ai faite, parce qu'il ne faut pas oublier que dans les années 50, un petit garçon qui jouait à la poupée, c'était pas tellement bien vu. Et on me l'avait déjà fait remarquer, hein, qu'il fallait pas trop que je touche aux poupées de mes sœurs. Et un jour, un des baigneurs de ma sœur tombe par terre et se casse en mille morceaux. Un gros baigneur comme ça, assez fragile. Et donc j'ai ramassé une jambe. Et comme il y avait toujours du tissu à la maison, j'ai enveloppé cette jambe d'un bout de tissu, d'un bout de schmattes, et je n'ai fait ma poupée. Et bien sûr, je passais inaperçu avec cet objet magique. C'était vraiment une transgression totale. Et j'ai commencé comme ça à faire mes poupées. Voilà la poupée. Voilà, c'est une jambe, un peu grignotée sans doute par un chien. Voilà un peu à quoi ça ressemblait. Une jambe entourée de tissu, de schmattes. Et ça, c'était vraiment l'origine de mon désir, en fin de compte. Elle ressemblait pas du tout, bien sûr, pour les yeux de l'autre à une poupée, mais moi je l'appelais la poupée. Je les enterrais dans le jardin, et des fois j'avais complètement perdu l'endroit où j'avais enterré la poupée. Des fois je la retrouvais, je la déterrais, et j'étais déjà fasciné par la transformation de la poupée de tissu. Comment c'était devenu sale, moisi, et avec l'odeur. Je me souviens d'une odeur même quand je déterrais la poupée. Et j'étais émerveillé devant cette beauté. Alors là, on est au musée d'art et d'histoire du judaïsme. Ce lieu, je l'appelle la cave. Et c'est là qu'est exposée la donation, 70% de la donation que j'ai faite au mage. Et je suis très heureux de me voir exposé dans la cave. Et je me souviens, quand j'étais gosse, j'avais pris la bouteille de mercurochrome et avec un bâton, que je trempais dans la petite bouteille, j'avais dessiné dans la cave des dessins rouges de chaque côté de l'escalier qui descendait dans la cave. Et tout autour, j'avais écrit des signes kabbalistiques incompréhensibles et j'avais inventé une écriture. Quand j'ai vu l'exposition, j'ai pensé tout de suite à ces dessins que je faisais dans la cave de la maison de mes parents. Une fois que le travail sort de mon atelier, c'est plus mon histoire. C'est les histoires de l'autre ou des autres. À l'école, j'étais un très très mauvais élève. Je ne comprenais rien. Tout était abstrait pour moi. Calcul, grammaire, dictée, rien. J'étais toujours en train de rêver, de dessiner et de fabriquer mes objets, mes poupées. Et par la suite, vu que je n'avais aucun diplôme, même pas mon certificat d'études, donc ma mère m'a dit « Écoute, Michel, il y a une seule possibilité. Ben, tu vas être tailleur comme ton père. » Voilà, je vais vous montrer... mon diplôme de modéliste, styliste, c'est une pièce importante, un témoignage de mon métier de tailleur. Quand j'étais apprenti, après le travail, j'allais prendre des cours du soir, 28 rue Bergère, Paris,
9e. Et le diplôme date du 18 décembre 1964. Donc j'avais 17 ans. Il y a même une photo là, on me voit à 17 ans. Au bout de 2-3 ans d'apprentissage, j'avais mon diplôme, le seul que j'ai eu dans la vie, un diplôme. J'étais assez doué pour la couture, parce que puisque mon père est tailleur, donc j'ai vu mon père. Il y avait toujours une machine à coudre dans la maison, et il y avait toujours aussi du schmattès un peu partout. Donc c'était vraiment... C'est vraiment en moi, ça. C'est vraiment mon atavisme presque organique, c'est physique, quoi. J'adore le schmattès, et en plus, le vieux schmattès que ma grand-mère, Adèle, qui avait une boutique au marché aux puces, de vêtements d'occasion. Le schmattès, c'est un peu le rebut. Et moi, j'ai eu de la chance au marché aux puces dans les années 70 jusqu'à sa mort, 76. J'ai travaillé avec elle. Et elle m'a donné ce goût du vieux vêtement. Et je pense qu'elle me passait dans le schmattès, c'était aussi la Pologne, le ghetto, la nourriture, le yiddish. Et tout ça, c'est après que je l'ai compris. Après, avec le travail, tout ça. J'ai une chance extraordinaire. Et mon père, qui était tailleur, qui était le contraire, qui était dans le neuf, la confection, puis ça marchait bien, c'était ce qu'on appelle les 30 glorieuses. Donc, mon père avait une très belle situation économique, puis il avait un magasin de confection à Barbès, Ned Edson, et ça marchait très bien. Et de temps en temps, le samedi, pour me faire de l'argent de poche, j'allais travailler chez mon père dans la boutique aussi, à 14 ans, 15 ans. Donc voilà l'ambiance où j'ai vécu, dans quoi je suis né, dans quoi j'ai été fait, pétri. J'étais tailleur dès la naissance, quoi. Et j'ai abandonné le métier de styliste modéliste. Mais ça m'a quand même servi, parce que dans les années 1970, au marché aux puces avec ma grand-mère, j'ai, avec ces vieilles couvertures, ces vieilles nappes, ces vieux rideaux, j'ai fait des vêtements. Et aussi, il ne faut pas oublier le contexte de l'époque. Hein. 1970, c'était la folie, c'était les hippies. Et j'ai gagné comme ça un peu d'argent. Et j'ai commencé, grâce à cet argent, à voyager, à faire le tour du monde. J'ai rencontré mon ami Théo Hernandez, qui m'a initié au cinéma, qui était mexicain. Et là, on a décidé, tous les deux, de partir au Maroc. Et au Maroc, on a décidé de partir en Inde. Les années 70, Katmandou et tout le tralala, l'Afghanistan et le Pakistan. J'ai vécu un an et demi au Mexique. J'étais parti pour un mois. Et quand j'ai vu la force et la magie de ce pays, je dis, je ne peux pas rester un mois, c'est pas possible. Donc, je suis resté un an et demi. Et à la frontière du Guatemala, San Cristobal de la Casa, exactement, j'ai rencontré une femme qui vendait qui avait comme une espèce de petit stand avec des fruits. Et à côté, elle faisait des poupées pour les touristes qu'elle cousait à la main, comme ça, très mal cousues, très mal foutues. Et là, j'ai eu un flash. Je retrouvais la poupée de l'enfance que je faisais. Je me suis dit, quand je vais retourner à Paris, je vais faire la poupée comme objet de création. Donc j'ai acheté ces poupées, je suis rentré à Paris avec ces poupées-là. Quand je suis rentré du Mexique en 76-77, j'ai commencé une très grande mélancolie. Et même mes amis me disaient, tu sais Michel, dans l'état où tu es, soit tu vas à l'hôpital, ou tu prends des médicaments, ou tu vas voir un psy. Et moi je me suis dit... Je dois pouvoir m'en sortir avec la création de mes poupées. Je ne sais pas pourquoi, mais j'avais cette intuition. Et pendant 2-3 ans, dans une toute petite chambre de bonne que j'avais remplie, c'était devenu une grotte comme ça, avec des masques, des poupées, des visages, des corps, j'ai fabriqué les poupées, la poupée, je dirais, en général. Et dans ce moment de très grande création, un jour, en baignant la poupée dans ce que j'appelle le bain rituel, ça veut dire que je prépare une grande bassine avec de l'eau, des teintures très foncées,
Et des fois, j'ai même mis du sang, de la terre, de la boue. Et quand je sortais la poupée de ce bain rituel et que je l'accrochais là, et la bassine était là, et elle a, bien sûr, la poupée mouillée, ensanglantée et naissante comme ça, c'était le moment le plus passionnant et le plus beau pour moi, le plus beau même esthétiquement, plastiquement, c'était le moment superbe. Et donc, dans ce bain rituel, une fois, une seule fois, parce que j'ai jamais pu retrouver ça, ça a duré quelques secondes, c'était comme si, en trempant la poupée dans ce liquide, je ne peux pas dire, mais j'ai perdu, pas connaissance, mais j'ai atteint le néant. Ça a duré 3 secondes. J'ai eu très peur. Disons, j'ai touché le noyau de mon être, quoi, au-delà de l'identité. Oui, un moment mystique, quoi, perdu dans le néant, quoi. J'ai eu très peur. J'ai vite retiré la poupée, et donc moi aussi. Et j'ai essayé de retrouver cet instant que j'ai jamais pu. Et donc, ces 3 ans ont permis aussi de guérir. Une chose très importante, je dis à l'époque, je ne créais pas des poupées. J'exhumais la poupée. J'exhumais, je ne créais pas. Et j'exhumais quoi? Des fois, je me dis tous ces cadavres que j'avais vus dans ce film Nuit et brouillard qui m'ont foutu en l'air. C'était en 1961. Ma mère me dit, venez voir ce qu'on a fait aux Juifs. Et là, je dis, il y a eu un avant et un après. Avant, il y avait l'Éden. Et après, je savais qu'on pouvait me tuer parce que j'étais juif. Et en même temps, je ne savais pas trop ce que c'était d'être juif. Mes parents ne nous avaient pas trop mis ça dans la tête, quoi. Je suis né en 1947, donc 3 ans après la guerre. Mes parents, ils ne voulaient pas nous parler de ça, quoi. Et puis, j'ai toujours vu mes parents rire, sourire. Et c'est après, justement, après ce film Nuit et brouillard, qui m'a foutu à plat, quoi. Et je me suis complètement identifié aux victimes. À un moment donné, dans le film, dans Nuit et brouillard, il y a une espèce de pelleteuse qui met tous ses corps dans une fosse. Et moi, je suis rentré dans la fosse. Et j'avais tous ces morts en moi, dans mon corps, quoi. Et je pense qu'exhumer ces poupées, je pense que j'exhumais aussi tous ces morts en moi. C'était trop lourd, trop douloureux. Je pourrais dire que c'était une thérapie, mais c'était autre chose, en fin de compte. C'était faire surface, pouvoir respirer. Et grâce à la poupée m'a sauvé. Il y a très longtemps que je n'ai pas vu ces poupées. Je suis très content de les redécouvrir. Alors, elles ont un aspect un peu mâche-fer, un peu volcanique. Et ce que j'aime et ce que je recherche dans mon travail, c'est l'intemporel. Et là, je peux voir, en regardant ces poupées, elles sont aussi bien faites aujourd'hui qu'il y a 2000 ans, 3000 ans. Alors là, il y a du pastel, oui, du pastel noir, de l'acrylique, que je recouvre, une fois que le dessin est fini, et qu'il y a de la peinture, tout ça, je recouvre de cire, et avec le fer à repasser, très chaud, je passe dessus, comme ça, avec le fer, et ça donne cette énergie, cette éclaboussure d'énergie. Ça, c'est pour la technique. C'est pas très calme comme œuvre, comme travail. Et l'autre, exactement, aussi, qui a été fait en 92. Ça fait assez polonais. Est-ce que c'est une histoire qu'on m'a racontée, que ma grand-mère m'a racontée? En fin de compte, ça m'échappe complètement. Je peux pas expliquer les œuvres et en même temps, je trouve ça très bien que ça m'échappe complètement. Mais la matière ne m'échappe pas, par contre. Donc la technique, cette technique-là, je l'ai utilisée pendant très longtemps. Maintenant, je n'utilise plus tellement, je ne suis plus du tout dans cette matière. Je suis maintenant, au contraire, dans le crayon, le simple crayon noir, et le papier le plus ordinaire. Thank you.
Joséphine lance des roses lotus à Napoléon. Collection du professeur Sterck. Peinture de schizophrène. Peinture de schizophrène, mais qu'est-ce que ça veut dire quand on a 20 ans, peinture de schizophrène? Ma sœur gagne un concours. On lui offre, pour son concours, on lui offre à la fin de ses études d'esthéticienne, on lui offre 3 bouquins sur l'art. Je feuillette, il y a toute l'histoire de l'art, et je tombe sur cette image d'Aloïs. Ce n'était pas dans un livre où il y avait de l'art brut. Je ne connaissais pas ce mot, art brut. Donc ça, pour moi, c'est très important. Peut-être que si j'avais vu ça dans un livre d'art brut, peut-être ça m'aurait fait peur. Mais heureusement, c'était au milieu de l'art moderne. Et je me dis, si ça, c'est considéré comme de l'art, tout est possible. Et elle m'a permis, avec ses beaux seins rose lotus qu'elle lance à Napoléon, moi, je les ai reçus en pleine gueule. Dans les années 70, il y avait une galerie à Paris, rue Jacob, l'atelier Jacob. Et je vois une affiche, exposition d'Aloïs à l'atelier Jacob. Là, plein de dessins d'Aloïs dans la galerie. J'y vais tous les jours. Donc la propriétaire, Caroline Bourbonnais, me voyant complètement tous les jours fervent d'Aloïs, je raconte que Aloïs, pour moi, c'est le sommet de la création, la possibilité aussi que je peux faire des choses. Et elle me demande, Caroline Bourbonnais, si moi aussi je fais des choses. Et je dis oui, moi je fais des poupées. Donc j'ai exposé mes poupées dans l'atelier Jacob. Madeleine Nomel, avec qui j'ai créé La Racine, une association d'art brut. On a fait un petit musée d'art brut à Neuilly-sur-Marne. Elle me dit un jour, Madeleine, écoute, ce qui serait bien, c'est d'emmener tes poupées à Jean Dubuffet, lui montrer ton travail. Moi, je dis oui, pourquoi pas, mais je n'avais pas du tout cette idée-là dans la tête. On reçoit un papier, les nouvelles acquisitions du foyer de l'art brut de Lausanne. Sur le papier, moi, j'ai reçu ça comme un faire-part de mariage. À droite, il y avait un dessin de Michel Nidjar. Et à gauche, un dessin d'Aloïs. Et pour moi, c'était fabuleux. Parce que c'était comme si je me mariais avec Aloïs. Là, on est devant le reliquaire. Reliquaire d'un voyage à Auschwitz, Paris-Saint-Martin, 2000. Caillou, tissu. En 2000, donc, je fais ce voyage en Pologne, qui était organisé par le mémorial de la Shoah. Dans les guides de ce voyage, il y avait un ancien déporté. En arrivant là-bas, donc, cet ancien déporté nous a montré, nous a expliqué l'arrivée, la sélection, les chambres à gaz, les bâtiments des femmes. Et en nous montrant comme ça le parcours entre ces baraques, à un moment donné, on arrive dans un endroit où il nous dit là, il y avait la chambre à gaz qui avait été détruite par les Allemands avant de quitter les camps, quand les Russes sont arrivés. Et puis il nous a montré à côté, il y avait l'étang où ils jetaient les cendres. Et moi, dans ma manie de ramasser des cailloux pour avoir un souvenir, alors j'ai ramassé 3 cailloux, même plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que j'ai tout de suite mis dans ma poche. Personne ne m'a vu. J'ai fait ça comme un voleur. Oui, j'ai volé quelque chose. Et en arrivant chez moi, je les ai mis dans un sac en plastique, blanc, je me souviens. Et je ne savais pas quoi faire de ces cailloux. J'ai même eu un remords d'avoir pris ces cailloux, à tel point que je vais les retourner là-bas pour les déposer, au même endroit où je les avais ramassés,
ou sinon les mettre au Père-Lachaise, au mur des fédérés, ou même les jeter dans la Seine. Mais pendant presque un an, ces cailloux ont été un gros problème pour moi. Et je les ai mis dans un coin pour ne pas les voir. Et en faisant mes poupées, les nouvelles poupées, où je mettais des choses dans le corps, que je cousais, le nouveau travail, d'un seul coup, j'ai eu l'idée de prendre les cailloux et d'en faire un reliquaire. Et donc, le reliquaire, ben voilà, c'est ça. Et même le reliquaire, je ne pouvais pas le garder à la maison. C'était impossible. Donc, j'ai eu l'idée, dans la donation, d'offrir hommage le reliquaire. Et je pensais que là, il avait sa place. Et je pense qu'il a sa place dans cette maison, avec toute cette histoire. Donc c'est une œuvre de 1994. Alors là aussi avec la même matière, acrylique, cire et pastel. Deux personnages, est-ce que c'est Adam et Ève? Oui, ça peut être une scène de la Genèse. Oui, ça peut être Adam et Ève, mais en fin de compte, on ne sait pas trop. Hein. Là, il y a des problèmes de genre. On ne sait pas si c'est un homme ou une femme. Ça peut être deux hommes, ça peut être deux femmes. Voilà, alors deux Adam ou deux Ève. Et encore, ce n'est pas sûr, ce n'est pas certain que ce soit Adam et Ève. Mais je peux dire que ça sera avant la catastrophe. Alors là, la série des visages convoqués. Je travaille en série parce que je suis lancé et que je suis en transe. Entrer en création, c'est aussi rentrer en transe. Quand je rentre en transe, j'ai une telle énergie que donc je prépare du papier d'avance parce qu'il me faut tout vraiment sur la main parce qu'il y a une telle puissance et une telle énergie que je peux travailler très longtemps. Les visages convoqués, c'est quand je ferme les yeux et que je pense à la personne. Ça peut être une personne que je connais très bien. C'est pas une personne, c'est le visage. Je vois un visage dans le métro qui me plaît. Ça peut être le visage d'une femme ou d'un homme. Et j'essaye de le retenir. Et dans l'atelier, je le convoque. J'ai tout préparé. Je mets mes mains dans la peinture. Je ferme les yeux. Et sur le papier, je le convoque. Je l'appelle. Aujourd'hui, la poupée a pris une autre dimension. Et après les poupées Pourim, j'ai complètement fait d'autres poupées. Alors là, on est dans la chambre du duc, où les poupées de Pourim sont installées, magnifiquement installées. C'est une commande qui m'a été faite par le mage. Et c'est Nathalie Azan qui est venue me voir un jour dans mon atelier pour me parler justement de Pourim. Et elle m'avait dit surtout pas les poupées sombres, parce que c'est quand même une fête pour les enfants, c'est joyeux. Donc, je vais au mage, puis Nathalie me montre des livres, me montre des photos. Et là, elle me montre une photo qui m'a frappé. C'était deux hommes, après la guerre, dans un camp de déplacés. Encore, je crois qu'ils avaient encore leurs vêtements de déportés, à rayures. Mais surtout un, il était déguisé en Hitler. Et ça, je me dis vraiment, il est vraiment culotté, celui-là. Et Nathalie, elle me dit, tu vois, c'est la transgression et c'est le... Alors, je dis, quoi? Je dis, ah, ça, c'est pas mal. Je dis, le mot transgression m'intéresse. Et en faisant ces poupées-là, donc j'ai cousu le carton, je gardais mes cartons de pizza,
Je travaillais avec tout et je cousais tout. Et en faisant ces poupées, j'ai retrouvé la sensation de la poupée que je faisais quand j'étais gosse. Et ça, ça a été un tel bonheur que parfois, pendant la fabrication de la poupée, j'avais les larmes aux yeux. C'était extraordinaire de retrouver cette sensation de jeu, de faire comme ça avec du n'importe quoi. Et je n'ai plus envie de faire des poupées sombres. Et je pense que la commande de Nathalie Hazan, elle m'a permis, elle m'a tendu la main. Et je pense qu'elle m'a sorti de la fosse où pendant des années et des années, j'ai fait ce travail d'exhumation. Parce que, bon, la fosse de nuit brouillard, hein, tous ces cadavres dans le trou. Et moi, j'étais là-dedans. Et je pense que cette commande, elle m'a sorti de cette fosse. Et j'ai vu mon travail autrement. Et aussi, j'ai pu garder la poupée comme travail artistique et plastique, mais avec quelque chose de plus, je ne peux pas dire de plus joyeux. En fin de compte, ça ne veut rien dire. Mais de plus, je dirais moins sombre, avec le bonheur de coudre, retrouver le métier de tailleur, retrouver l'aiguille, retrouver le fil, oui, retrouver ça, cette simplicité. Et donc, après les poupées de Pourim, j'ai continué tout à fait un autre travail, toujours la poupée, où elle ne passe plus dans un bain rituel, où elle est cousue, et elle devient plutôt reliquaire de mon existence. J'aurais envie de mettre dans le corps de la poupée tout l'atelier. Les petits cailloux, les petits gris-gris, les petits trucs de rien du tout, mais qui ont quand même un rapport avec mon existence.